Juste une minute. Pourquoi es-tu si triste? Il était une fois dans une terre froide. Par exemple, comme le Canada, un trappeur. Non, pas comme ça. Maître, vous êtes là? Maître. Oui. Alors, imaginez. Je suis sûre que vous pouvez imaginer. Imaginez que vous marchez. Allez, marchez. Vous marchez dans une forêt dense, sombre, avec beaucoup d'animaux sauvages. Ouais, c'est une très grande forêt. Il y a beaucoup de neige. Neige, blanche, partout. Ça fait froid. Il fait froid. Très froid. Et soudain, vous voyez un trappeur. Un trappeur chasse pour gagner sa vie en vendant de la fourrure et de la viande séchée. Il marche à la recherche d'animaux à chasser. Comment s'appelle notre trappeur? Il s'appelle Jean. Wow! Jean a passé ses jours dans la forêt. L'hiver arrive et il faut quitter la forêt et rentrer au village. Jean prépare son départ quand il a entendu un bruit. On dirait une plante. Il lève sa tête et il voit un loup. Un loup grand et blanc. Faites amusant! Le loup arctique, connu comme le loup blanc, est une sous-espèce de loup gris originaire des îles de la Reine Elizabeth au Canada. Pour les autochtones, le loup blanc est comme un symbole d'un guerrier fort. Mais c'est incroyable! Un loup, ça fait fort! D'habitude, les loups sont sauvages. Effiante. Mais celui-ci, il est gravement blessé. Et vraiment grave. Il est plus que mort. Pauvre loup, quel dommage. Jean emmène le loup dans sa cabane. Elle l'aide à soigner ses blessures. Les jours passent et l'hiver est à la porte. Il faut partir pour rester en vie. Mais quoi faire? Le loup est là, blessé. Comment le laisser tout seul? Juste une minute. J'espère que vous êtes avec nous. Écoutez bien. Le drame va commencer. Oui. Imaginez que la personne que vous vous occupez de est partie, juste sans rien dire,
Pas juste comme ça. Je sais que vous sentez la douleur, la tristesse. Comment c'est possible? Et Jean, il a senti la même chose. Quand un jour, le loup, il est parti sans rien dire. Bah oui, justement, comme ça, parti un jour sans rien dire. 7 jours. 7 jours et 7 nuits. Jean avait la saignée avec beaucoup de dévouement. Mais bon, il faut continuer. Bah oui, life goes on, non? Jean a fermé sa cabane et va marcher. Non, pas marcher. Il a mis un cheval. Ouais. Donc il prend son cheval et il va vers son village. Il faisait très froid. Très froid. Et Jean, il continue toujours avec son cheval. Mais à cause de foi, le cheval est mort aussi. Oui, c'est malheureux. Mais il faut toujours continuer. Et donc, Jean marche. Il commence à marcher. Mais le foi, le malheur de perdre son cheval et le loup qu'il a laissé comme ça. Oh, il était seul, mais il faut jusqu'à village pour rentrer chez lui. Et donc il continue. Il continue à marcher, mais il faisait très très froid. Et soudainement, il tombe. Il est mort. Ben non, Myron! Écoute, c'est pas fin de notre conte que tout le monde va mourir, tout le monde va mourir. Et alors, il y a quelqu'un qui arrive pour le sauver. Vous savez qui? C'est Ami, les hommes du village. Les hommes du village? Non, 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 pas les hommes. C'était un grand ami. Vous voyez, c'est un nouvel ami, le loup et sa muette. Amazing! À ce moment-là, Jean était presque mort, mais ces loups lui ont sauvé la vie. Quelle scène émouvante! Les villageois voient une muette de loup tirant un traîneau dans la neige, le traîneau dans lequel reposait Jean. Et vous savez? C'est depuis ce temps-là que les chiens loups tirent les traîneaux dans les pays de neige. Et les loups sont devenus les amis des hommes. Nous avons des chiens chez nous ici à Boano, tout cousin de loup blanc. Mais avez-vous aussi aidé quelqu'un comme cela? D'une bonne réflexion. Merci beaucoup. Les étudiants à Boano ont aussi beaucoup réfléchi à cela. Comment le couple et Jean nous enseignent à aider tous les hommes dans les temps difficiles. Nous sommes tous les frères. Maintenant, il est le temps à voir les jolies couvertures créées par les étudiants sur la loupe blanche et Jean. Allons-y!